Ok les amis, donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé d'en faire encore plus fort. Tout simplement hier vous avez grave kiffé tout simplement la vidéo où ce que j'étais en train de taguer la voiture tout simplement de ma copine. Et comme j'ai vu que vous avez kiffé de dingue mental tout simplement, j'ai décidé aujourd'hui de faire encore plus. Et oui, bien entendu aujourd'hui on va pas s'attaquer à une voiture mais tout simplement à une maison. Alors clairement je vous le dis, vous êtes pas prêts, je vais taguer pas mal de la maison. Bon je vais pas tout taguer parce que c'est quand même moi qui vais devoir nettoyer après, enfin j'espère vraiment que ça part. C'est nouveau les mêmes bonbonnes de couleur hier que j'ai utilisé sur la voiture. Personnellement sur la voiture c'est parti, il a quand même fallu un bon carwash, l'utiliser un bon petit carwash. Bon c'était obligatoire mais bon franchement c'est propre. Et du coup moi je vous propose quelque chose. Je vous propose quelque chose, déjà tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu mets ton plus gros like, tu me suis sur les réseaux sociaux, tout ça tu connais la musique de toute façon quoi qu'il arrive. Donc tu me suis sur tout ça. Puis on va se donner un objectif de like. On se met 10 000 likes sous cette vidéo. Donc tu fais 10 000 likes tu vois sous cette vidéo. Cette vidéo je veux qu'elle monte à 10 000 likes. Ok, une fois qu'elle a 10 000 likes qu'est-ce qui se passe? Le top commentaire il va me demander de détruire quelque chose à ma copine. Donc avec des bonbonnes de couleur, des trucs comme ça, n'importe quoi. 10 000 likes, je suis obligé de le faire tout simplement. Donc quoi qu'il arrive, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets ton plus gros like, tu t'abonnes, tu fais tout ça. Donc tout simplement, voilà, comme j'ai dit, mes bonbonnes à cheveux. Normalement c'est des bonbonnes de couleur à cheveux, du noir. Ce qui est bien c'est que c'est du noir, je vais pouvoir faire des insanités. Parce que je vais essayer vraiment de faire, par exemple, un énorme zizi sur la maison et tout, hein, comme hier hein. Un gros zizi, des phrases, des insanités, ma chaîne YouTube aussi, j'ai ma chaîne YouTube. Comme ça tous ceux qui passeront près de la maison, et bien tout simplement ils seront. Mais vraiment, j'espère une chose, c'est que ça part. Parce qu'en fait c'est quand même la maison de ma copine, enfin des parents de ma copine, et c'est pas la nôtre. Donc si jamais ça part pas, j'aurai affaire aux parents de ma copine. Mentir qui sont voilà tu vois le papa voilà est robuste, il va découper en morceaux. Mais bon ça c'est pas grave, ici on est là pour le prank, on est là pour le show, on est là pour faire un maximum de choses pour que ce soit tout simplement incroyable, incroyablement parfait. Je vais arrêter de vous parler, la prochaine séquence je serai tout simplement en train de taguer et de mettre à néant toute cette jolie façade. Donc les amis, Chouki, Chou Love, à tout de suite. Ok les amis, donc on se retrouve tout simplement avec mon acolyte de toutes les bêtises. Ah, elle m'a mordu la lèvre. Mon acolyte de toutes les bêtises, qu'est-ce qu'on va faire comme bêtise aujourd'hui? Tu vas prendre, regarde. Hop, je la prends, elle va prendre. Tu vas prendre ton truc. Tu vas prendre ton truc, regardez. C'est elle qui fait, non, voilà, elle a fait. C'est elle comme ça, vous voyez bien. Oh ma fifi d'amour. Donc vous voyez bien que c'est elle qui le fait et pas moi. Genre vous l'avez vu quand même. Bon, très de plaisanterie, très de bavardage. J'espère vraiment que ça part parce que regardez, on dirait vraiment des... Oh là là, j'en ai mis plein sur mon doigt. On dirait vraiment des vrais tags tout simplement. Bon, on va commencer très simplement par le meilleur hein. Tout simplement, c'est parti. Attendez. Voilà, je trouve qu'il faudrait commencer par un zizi parce que c'est la base. Le zizi, c'est clairement la base. Allez, hop. Voilà, et vraiment, il y a des caméras ici dans le jardin. Donc sachez juste une chose, si les parents voient ça actuellement, je pense qu'ils appellent directement et qu'ils me tuent sur place. Donc j'ai intérêt à me méfier, à faire très très vite, et puis à très vite effacer ça une fois que Tara sera revenue, parce que sinon je vais faire massacrer. Juste un peu, bien refaire comme ça, regardez. Ça déjà, on a un premier zizi sur la maison, je pense que ça fait mal au cœur. Franchement, même moi ça fait mal au cœur. Mais moi ça me fait mal au cœur parce que c'est quand même ici que j'habite tous les jours, donc c'est un peu, entre guillemets, ma maison maintenant pour le moment. Donc bon, j'ai oublié quelque chose, voilà. Tu vois, déjà, on fait un petit gland tout simplement sur la maison. Bon, on va continuer ici. On va faire tout simplement... Regardez. Bon, je suis pas un tagueur professionnel, malheureusement. J'aimerais bien l'être, mais bon. Regardez, voilà. Voilà. Et ici, comme tu peux l'apercevoir, je mets ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois cette chaîne YouTube? Tout simplement, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. C'est super important. Tu passes pas, tu vois. Genre, je pourrais faire le bouton YouTube. Ah, attendez, je vais essayer de faire le bouton YouTube. On va essayer de le faire tout simplement. Let's go. Attendez. Hop, et je sais plus ce que c'est à l'intérieur, attendez, c'est ça je crois. Donc allez, let's go, on va essayer de faire, je crois que c'est le pic vers la droite. On va dire que c'est plus ou moins un bouton truc, hein. On va pas se mentir, c'est plus ou moins un bouton YouTube. Moi je suis pas un professionnel, non, il est en train de couler partout. Non, c'est en train de faire des taches partout, bon, je vais me faire tuer. Honnêtement, je vais me faire tuer, je suis un homme mort actuellement parlant. Je suis tout simplement un homme mort de la Mortadelle Challenge. Bien sûr, cette vidéo est nouveau filmée par mon ami Benjamin que je mettrai bien sur sa chaîne dans la description. Bon, les amis, c'est parti. Moi, vous savez quand même, je suis quand même amoureux de Tara, tu vois. Donc je vais faire un petit H plus T. Je vais le faire ici, c'est présentement. Hop, ça, là-dessus, je vais pas essayer parce que je sais, j'ai pas essayé. Voilà, j'ai pas confiance là-dessus. Donc on va faire ici H plus T. Comme ça, peut-être pour m'excuser, mais je pourrais lui dire, ben écoute, j'ai marqué notre amour sur la maison. C'est peut-être un truc, tu vois. Donc ici, je vais mettre égal. Voilà, tu vois, un petit égal comme les enfants, tu vois, comme quand on faisait quand on était au collège. Et ici, je vais faire un. Un cœur, tu vois, genre un petit cœur, regarde. H plus T égale cœur. Et franchement, est-ce que vous trouvez pas
que je suis un tagueur professionnel dans les commentaires, j'aimerais bien que vous mettiez tout simplement une note sur 10 au niveau de mes tags. C'est très important, tout simplement. Bah, je vais t'inviter à passer par là et on va passer une prochaine semaine. Bon, les amis, tout simplement, voilà, comme vous le savez, je suis pas tout seul dans ce truc. Il y a de nouveau Dior. Donc, je vais de nouveau inclure mon petit chien Dior dans le prendre tout simplement. Donc, je vais écrire un petit D, un petit I, un petit O. Et un petit R, bien sûr, comme ça le chien est tout simplement inclus. Et je vais essayer de faire une... Attention, je vais essayer de faire une patte de chien. Donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Ça a combien de doigts un patte de chien? Bacha, tu sais me dire combien ça doit d'une patte de chien? Ok, ça a 5 doigts, t'es sûr que ça a 5 doigts, moi, toi? Oh là là. Et il y a ça, des petits coussinets aussi. C'est une petite patte de chien, j'essaie de faire vraiment au maximum. Oh là là. Chien normalement, et si vraiment ça part pas, les parents vont être complètement furieux. Moi en fait c'est même pas Tara qui me fait peur, parce que Tara, je commence à être habitué quand elle s'énerve tout ça. Mais là ce qui me fait vraiment peur c'est les parents. Surtout que retrouver une peinture comme ça et comme ça, ça risque d'être assez compliqué. Ou alors je rachète tout le chalet. Ouais non non, ça risque de coûter un peu trop d'argent pour une vidéo. Ou alors faites des dons, je sais pas, faites quelque chose. Ou alors un petit partenariat avec une entreprise de peinture ou quoi que ce soit, ça pourrait être sympa. Bon là je suis bien, clairement, je suis clairement bien. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Bon, maintenant trêve de plaisanterie, je pense que j'ai assez tagué la maison pour le coup. On va attendre la venue de Tara et puis là, ben, je suis un homme mort. Je pense que vous le savez, dites-le déjà dans le chat, je suis tout simplement un homme mort. Tu me promets que tes yeux sont fermés. Tu me promets que tes yeux sont fermés. Bien, suis-moi. Tu me jures sur la vie de... Quoi? Excuse-moi. Attends, viens par ici, viens, voilà. Positionne-toi ici, ok. Donc là, tu te mets comme ça et franchement, je te jure que j'ai une surprise incroyable tout simplement à te faire. Quelque chose de dinguissime. Attends, reste bien là, ne bouge pas. Tu veux un bisou? Mon cœur, attends, je te déplace juste un peu sur la droite. Voilà, comme ça, parce que voilà, j'ai quand même envie que ce moment soit incroyable. Bon, mon cœur, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Tu sais que t'es la femme de ma vie. Tu sais tout ça. Bon, cette fois-ci, ce sera pas une demande de mariage, ce sera un tout autre cadeau. Je te laisse ouvrir les yeux et me dire ce que t'en penses. Non. Allez, petite surprise. J'aime pas les surprises. Petite surprise. Non. Allez. Donc, en gros, l'histoire, c'est Dior le chien et nous deux, tu vois, parce qu'on a un peu une famille. Donc, Hugo plus Tara égale cœur. Et en gros, j'ai mis un zizi aussi avec ma chaîne YouTube et tout, parce que c'est genre mon travail. Et le zizi, ben voilà, c'est ce que j'ai entre les cuisses, quoi. Quoi? T'es sérieux? Quoi? Tu crois pas que j'ai assez de problèmes, non? Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pour te faire plaisir! C'est pour te faire plaisir, pour que tu sois content! C'est vraiment moi, s'il te plaît. Mais c'est pour que tu sois content et que ça te fasse plaisir! Mais quoi? Bah, comment on va dire ça à mes parents? Bah, ça, je sais pas. Démerde-toi avec mon père! Non, non! Démerde-toi avec mon père! Non, non! De toute façon, il verra ta vidéo, chais! Oh non, 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 non. Bon, les amis, je vais pas vous mentir que c'est vraiment la merde. En fait, je suis vraiment pas à l'aise quand je fais cette vidéo. Là, je vais directement prendre mon seau et essayer de tout nettoyer, parce que sinon, je suis vraiment dans la merde. Sinon, je suis vraiment dans la merde, parce que si le père arrive, je suis vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Vite, je vais essayer de trouver une solution directement. Quoi? Mon père arrive. Comment ça, ton père arrive? Ma mère vient de m'envoyer un message que mon père avait démarré il y a 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'il doit venir chercher des affaires. Oh ta mère. Bon, vite, je prends mon seau et je me dépêche et je vais tout nettoyer. Bon, let's go.